Salut les amis, c'est Monsieur Jour, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Lego City Undercover, vous le voyez, c'est le chapitre 4. Salut Chase, vous avez trouvé quelque chose à la mine? Oui, que je suis nul en bagarre. Hein? Rex était là-bas. Il a embarqué le putois avant que j'aie pu l'interroger et il m'a mis KO. Waouh! Alors, qu'allez-vous faire? Je vais aller m'entraîner un peu au dojo du coin et faire en sorte qu'il ne me batte plus jamais. Ok, moi je vais essayer d'appeler Frank à nouveau. Je suis sûre qu'il a perdu son téléphone. Bon, du coup, ici, on peut récupérer ça, déjà. Hop, ça, c'est fait. Et on va récupérer ça aussi. Hop. On a déverrouillé Grubby Grubster. Super, je sais pas qui c'est. Je sais absolument pas qui c'est. Là, il y a un truc à construire, hein, en même temps. Bon, bah écoutez... Alors ce qui est embêtant, c'est que quand on sort de du commissariat, on n'a pas de véhicule. On n'a pas de véhicule, c'est bizarre ça. Faudrait que je re-rentre dans le commissariat pour en sortir une peut-être. Ou alors il y a un truc ici. Bon, pas là, mais il y a le truc. Je peux pas y aller. Je peux pas y aller, je suis bloqué. Ok, bon, bon, on y va à pied, c'est pas grave. On y va à pied. Il a l'air gentil. Oui, je suis gentil. Je suis très gentil, madame. Si je piquais cette voiture. Hop. Voilà. Barrez-vous. Oh, je crois que j'ai pris la voiture la plus rapide du monde là. Oh oui, j'ai la voiture la plus rapide du monde. Connard. Barrez-vous, cours de mime. J'espère que c'est pas super loin. J'en ai bien l'impression que si. Désolé. Chase McCain. Voilà, voilà. Et oui, un trajet en voiture peut devenir très très long quand on n'a pas la bonne voiture. Oh mon dieu. Bon après vous me direz, je vais quand même plus vite que ceux qui sont à côté de moi. Mais je pense que si j'avais la voiture qui était passée à côté de moi là, on y aurait été encore plus vite que ça. On va pas se plaindre, mais c'est que c'est long quoi. Hein. Oh là 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 là. Ils savent pas conduire en plus. On se croirait dans le GTA quoi, ils le font exprès dès qu'ils me voient arriver derrière dans leur rétro. Boum, on change de voie aussitôt quoi. Que je m'arrêterai pas ici pour prendre un véhicule de police. Vas-y, on va s'arrêter là parce que ça me désole. Ça me désole. On n'a pas débloqué de nouveau véhicule. Oh, on va prendre celle-ci, elle est cool. Allez. Pouille. On va déjà plus vite, hein. Oh putain. J'ai cassé ma voiture. C'est encore loin par contre, j'ai pas fait gaffe, mais heureusement qu'on n'y a pas été à pied en fait. Hein. Je vous le redis, hein, parce que c'est de plus en plus loin. Je vous avais pas vu.
Pardon, excusez-moi. Raccourci, bah ouais mon pote, raccourci obligatoire. Pardon. Oups, pardon. Pardon. Pardon, pardon, pardon. Ah. Ok. Oh non, va falloir le construire le dojo, t'es sérieux? Ah non, il manque un pont. Il y a 65 constructions à faire, waouh. Alors par contre, s'ils nous ont fait ça, c'est que normalement, on doit pouvoir regarder et trouver des super briques dans le coin. Non. Oompa Loompa. Ouais, non, Oompa Loompa. C'est pas grave. On va reprendre le véhicule quand même parce qu'il faut traverser le pont. Hop là. Combattant de karaté. Ah, ça c'est un nouveau perso, un nouveau costume, ça, non? Ok, envoyez-la à pied. Un nouveau costume? Pas du tout. Absolument pas. On y va en voleur, c'est ça? C'est parti. C'est parti. On va apprendre à se battre. On va apprendre à se battre. Fou de kung fu. Alors on fait le chapitre 4 bien sûr, mais si le chapitre 4 dure trop longtemps, on s'arrêtera entre les deux. Barry Smith. Plomberie 24 heures sur 24 et gourou de kung fu. Déblocage de tuyaux et de chakras depuis 1987. Ouais. On peut toujours essayer. Il faut que j'ouvre ça. Il y avait un gars qui faisait de la sculpture sur glace, non? On est d'accord? Je me demande si ça pourrait me servir. OMG. Juste OMG, un petit morceau à enlever ici. Tout en douceur. Il faut beaucoup de briques pour cette super construction. Ah bon? Combien? 40 000. J'en ai 595. On est sur la Sois calme. On est dans la merde, j'ai plus rien quoi. Ok, 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 là faut foutre le feu. Là il y a une échelle, on l'a vu. Et peut-être encore un minuscule morceau là. Mais what? Il y a rien, sérieux? Ok, on n'a pas la capacité. Mais pourquoi ont-ils installé des porte-manteaux à l'extérieur ?
Mais c'est pas un porte-manteau, espèce de con. Ne va pas trop vite. Ah oui, la technique de la tortue est bien plus facile que n'importe quelle autre. Encore un porte-manteau. Et pourtant, personne ne porte de manteau. Oh bordel, j'ai envie de le taper. Un sur trois, ok. Ok, y est compris. On va aller faire l'autre. Deux sur trois, il faut qu'on trouve le troisième. Oh, elle est pratiquement terminée. Rien? Ok. Oh, ce sera la plus exquise sculpture jamais créée. Allez, qu'est-ce qu'il faut qu'on trouve alors du coup? C'est par où, c'est par où, c'est par là. Ok, alors ça faut le mettre quelque part, je pense. Ah, apparemment ici. Ok. What? La dynamite, ok. Ouh, le petit brick, merci. En mineur, t'es sérieux? Ok. Hop. Voilà, on avance, c'est bon ça. Les pièces violettes, hein, c'est pas mal. Hein. Ouais, bim, c'est 10 000. Ça fait plaisir. Tout en douceur. Oh, shit. Sois calme. Ok. Ne va pas trop vite. Quand je sortirai d'ici, j'irai me plaindre aux fabricants de ces torches. Elles tiennent à peine 10 secondes. C'est clair. Si on fait ça, ça fait quoi? Préparez-vous. Je suis trop balèze. C'est tout. Ok, super. Du coup, faut qu'on... Faut que je regarde s'il n'y a pas un accès plus rapide parce que je vais pas refaire ça à chaque fois quoi. Ça se dégage. Sois calme.
Ah mais du coup je fais comment là maintenant pour remonter encore Comment on avait fait, Ah si, avec le grappin. Ne va pas trop vite. Hop. Ouf, c'était moins une. Cette torche a brûlé juste assez longtemps pour que j'arrive ici. Je pense qu'il faut, faut activer les 4. Hein. Du coup, en fait, il y avait une échelle qu'on a débloquée ici. Ouais, faut pas que je fasse ça, faut pas que je fasse ça. Allez, monte, 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 monte. Voilà. Tout en douceur. Et du coup, ça va quand même plus vite. Ah, et voilà. Ça va quand même plus vite. Sois calme. Ah, je crois qu'on a un porte-manteau ici. Non. Fuck it. Bâtardigno. Alors quoi? Quelqu'un aurait volé tous les manteaux? Attends un peu. Mais ce sont des mannequins en bois pour les entraînements de kung-fu. Des porte-manteaux. Quel idiot tu fais, Chase. C'est clair. Tout en douceur. Allez, faut pas se planter. Voilà. On a le dernier. J'ai tout défoncé ici, par contre. M'énerver. Ok, c'est bon. Impeccable. Yes, c'est la clé. Wow! Et moi qui pensais que Dunby avait mauvaise haleine. Oh, cette mauvaise blague. S'il vous plaît. Bonjour. Aucun d'eux ne correspond à l'image que je me fais d'un Barry. Il y a peut-être une sonnette pour appeler un réceptionniste. Je crois que c'est une sonnette là. Je sais pas si ça repart à moi. Je l'ai vu hein, j'ai vu le truc, je sais. Juste faire le tour pour récupérer un petit peu de pièces d'abord. Maintenant on y va. Un gong. C'est encore mieux qu'une sonnette. Oh non, Morpheus. Je suis ici pour voir Bah. Chut, il faut que t'écoutes ça. Bienvenue dans Apprenez le Kung Fu en dormant. Détendez-vous. Vous êtes maintenant totalement détendu. Fin. Je connais le Kung Fu. Prouve-le-moi. Et la plomberie. Oh!
que tu devrais d'abord te mesurer à quelques-uns de mes disciples. Recherche au plus profond de toi le potentiel que tu caches et tu triompheras de tes ennemis. Un autre truc utile, c'est de projeter ses adversaires. Voyons voir de quoi tu es capable. Oh, ça, ça a dû faire mal. Pas mal. Équilibrons un peu les rapports de force. Pas mal. Aïe, mais moi, je l'ai ressenti. Libère ton esprit, comme tu viderais un radiateur avant de le remplacer. Allez! Tu t'en es bien sorti jusque-là, Chase. Tu n'auras peut-être pas autant de chance cette fois. Tes mouvements doivent être fluides, comme l'eau dans les canalisations de tes intentions. Super! Hé, mon gars, vas-y! Oh, il va avoir des combattures demain! N'importe quoi! Oui, mais bon, il connaissait les risques en entrant au dojo. J'espère que tu es bon au bras de fer. Souviens-toi, un voyage de 10 000 km commence souvent par un coup de fil à une agence de voyage. Eh, mais mon pote, t'es une vraie brute. Ah, ça c'est très bien. Oh, il va marcher de travers demain. Essaye de les jeter les uns contre les autres. Oh, oh là là. Projette-en un autre. Si dans la forêt, un arbre tombe, juste sur toi. Est-ce que ça fait mal? Oui, ça fait vraiment très, très mal. N'importe quoi. Oh, les dictons à la mort, moi. Quand tu te bats, ton esprit doit être détendu. Détendu. Ai-je laissé le four allumé? Pas grave, il est électrique. Détendu. Tu remarqueras que les gars en tenue marron sont un peu plus coriaces. Ton corps doit être en parfaite condition physique, comme une chaudière bien entretenue. Aïe! Oh! Allez, juste un dernier assaut, Chase. Oui. Projette un autre élève. T'en fais pas, ils aiment ça. Tu t'es bien battu. C'est bon ça. Prends cette ceinture comme symbole de ton talent. Je ne peux pas accepter ça, Barry. Pourquoi? Mince. Putain de merde. Oh putain de merde, mais c'est nul. Ouh, 97%. Bon, alors est-ce que ça lance le chapitre 5 ou est-ce qu'on est toujours dans le chapitre 4? De toute façon, on va s'arrêter là, je pense. Ok, on va s'arrêter ici. On a déverrouillé le combat avancé, c'est cool. Est-ce que ça débloque un nouveau combattant? Non. Hey, Chase! Vous êtes occupé? Ça a un rapport avec le service que vous deviez rendre à Ellie? Oui! Ah, quelle histoire! J'étais volontaire pour aller chercher notre tout nouveau camion de police ultramoderne, en vue de son inauguration au commissariat, cet après-midi. Mais vous avez été détourné par des criminels, c'est ça? Waouh! Comment vous le savez? Attendez, à quel nombre je pense, là? Allez, un indice, c'est 6. Le camion, Franck. Ah oui, eh ben, ils ont roulé avec un bon moment, mais là, on est à l'arrêt. Une idée de là où vous êtes? Pendant qu'on roulait, j'ai entendu très fort une corne de brume. On a dû passer le long des docks. Les docks, Et puis, je me souviens avoir senti comme un passage à niveau. Des rails, d'accord. Et à l'arrêt, j'ai regardé dehors et j'ai vu Krabby Cove. Vous? Oh, j'arrive tout de suite. Où ça? Quoi.
Bon, bah écoutez les amis, on va se quitter là pour cet épisode, hein. On va s'arrêter ici pour cet épisode, on continuera demain la suite. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'oubliez pas un maximum de pouces bleus, bien sûr, le partage, le commentaire. Et puis, vous abonner à la chaîne YouTube, on est de plus en plus nombreux. Vérifiez bien aussi, hein, d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de messages sur Twitter en ce moment. Apparemment, YouTube a encore fait un petit peu le tri dans vos abonnements. Donc, vérifiez bien que vous êtes toujours abonné aux chaînes YouTube préférées. Enfin, à vos chaînes YouTube préférées. Puisqu'il y a plein de YouTubeurs qui passent des messages sur Twitter en ce moment, comme quoi des abonnés seraient absents. Même des abonnés qui sont pas contents que YouTube les vire comme ça. Donc, voilà. Donc vérifiez bien les amis, encore une fois. Et puis nous, on se retrouve demain pour la suite de LEGO City Undercover. À la prochaine, salut, bye bye.